Bonjour et bienvenue dans Isaac Afterbirth, les runs quotidiens, pas daily. Eve, c'est parti. Il nous faut aller vers la Dark Room. Pour faire simple, plus précisément, il nous faut Boss Rush, il nous faut tout quoi. Ok. Restez calme les gars. Donc, Boss Rush, Hush, Satan et The Lamb sont tous faisables dans le même run. Peut-être Mega Satan avec un peu de chance. Si on allait faire tout ça en un seul run, je mange mon chapeau. J'ai pas de chapeau. Pourquoi on a Mom's Perfume? Oh, je devais avoir... Comment ça s'appelle? Eden's Blessing. À un moment, avant. Sérieux, ça a fait un petit avec une mouche aussi. Eh ben, Boss Rush et Hush. Vous savez ce qu'on dit? Peut-être. Il y a deux batteries dans la salle, je n'ai pas d'item actif. Ce n'est pas un niveau XL. Sérieusement, regardez-moi ce layout. Dites-moi que c'est pas un niveau XL. Ah, c'est pas un niveau XL et pourtant j'ai bien vu le layout. Merci, je sais. C'était une image. Hein. Ça veut dire que ça devrait être pas comme ça. Voilà. Oula. Ouais, la peur, c'est bien. J'aimerais bien tuer celle qui me tire dessus. Voilà. Puis lui, qui a peur, et c'est bien. Qui a peur, mais qui me tire dessus quand même, hein. Sale petit méchant. C'était lamentable. Ok. J'aime bien les problèmes qui se règlent tout seul. Si tu pouvais. Ok, on va revenir à... Ça, arrête d'avoir peur, toi. L'autre, c'était bien, toi, non. Voilà. On aura juste mis 600 ans à faire cette salle, mais c'est pas grave. Ah, super. Ok, lui il est presque mort, je sens. Voilà. On fait pas très mal à... Putain, on fait 2,6. C'est ridicule, c'est 3,50 de base avec Isaac. Y'a pas une flamme quelque part? Non, bien sûr. Ça aurait été utile. Une petite flamme. Pour tuer toutes les mouches. Mais non, y'a pas de flamme. J'aime bien parce que le mouvement est scripté. Alors même celles qui ont peur, elles continuent de suivre le mouvement. C'est ridicule. Pour elles, allez. Ouais. Le coffre de la joie. Maman, on meurt. On meurt, j'ai dit. Sérieusement. Il y a un invisible là. C'est un problème. Il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qui... Ah, ça donne des clés des fois. Quand ça veut bien. Arrêtez ce sou... Il a pas peur là. Pourquoi il... Voilà. Voilà. Di-di-di-ding. Ouais, pourquoi pas. On n'est pas dans un zali. C'est pas grave. On va voir s'il n'y a pas un cœur gris dans le... là-haut. Là-haut. Ah putain, on a le magasin de merde, c'est vrai. C'est dramatique. Allez, on va faire la dernière salle. Super. Est-ce qu'il y a un demi-cœur quelque part? Non. Bon bah tant pis. Allons, c'est en bas. Allons par là. Fragman. Avec des dégâts de merde. C'est nul. Sérieusement, le... Trop ça, c'est pas possible. Ouais, bientôt la moitié de sa vie, super. Putain, il a pas de vie, Ragman, on n'arrive pas à le tuer. Et la boule, la tête a roulé derrière l'autre araignée. Ce que je trouve pas très fair play.
tuer comme ça. Sérieusement. Bon, au moins le piaf va m'être utile, mais... Voilà. J'ai quand même pris un coup sur Rugman. Ce qui est pas le pire qu'on puisse faire. J'aurais aussi pu aller activer War of Babylon. J'y ai pas pensé. Enfin si, mais... J'y ai pensé trop tard. Yeah. Sérieusement. Faut absolument qu'on trouve un truc qui nous booste nos dégâts, mais grave. Là, on fait rigoler tout le monde, quoi. Sérieusement. Je lui fais tellement pas mal que je lui mets assez de coups pour le pousser hors de... du chemin. Ah, super. Ouais. Ouais. On va garder ça quand même. Plus utile. On va prendre la clé pour une bombe. Pourquoi ? Pareil, plus utile la clé. Tada ! C'est con que j'ai pas un orbital. Sérieusement, les tirs me poussent, quoi. Cette salle... Je préfère rester sur un demi-cœur. Et donc, cette salle n'a servi à rien. Milliboom. je fais ce que je peux avec ce que j'ai, les gars. Les mulliboom, c'était un peu la priorité par rapport à vous. Maintenant, ça va. Je m'occupe de vous. Comme dirait l'autre, je suis à vous tout de suite. Hop. C'est... Non, mais je vais pas dire c'est totalement à chier. Mais... Si je pouvais avoir n'importe quoi d'autre. J'ai quand même eu Harlequin Baby et Brother Booby dans mes item rooms. Oh, what a horrible night to have a curse. Oh bah au moins on fait mal. On a flingué nos chances de deal, mais on fait mal. Et non, je vais pas prendre ce cœur gris là, ce cœur bleu rouge. Bleu, gris. Donc j'avais vu un truc là. Et j'ai toujours pas de bombe donc... Magasin, sauve-moi, trouve-moi une... Il faudrait qu'on arrive à voir Black Candle. Plus que la vie. Parce que c'est de la vie aussi. On va voir si c'est possible. J'en doute vu la map, mais... Est-ce que ça a droppé? Non. Non plus. In qui ne devrait pas être un problème, qui est long parce qu'il a des angles bizarres. Ok, donc pas de, pas assez d'argent pour Black Candle, ce qui veut dire qu'on va prendre de la vie. À choisir, je préfère entre ne rien prendre et prendre de la vie. On tire vachement vite quand même. Merci. Oh non. J'ai marché dessus, mais je savais qu'il fallait pas. C'est scandaleux. Allez, on se motive. On recommence à plus faire mal, mais du tout. Je rigole pas, hein. 2,6. On fait moins mal que... Je sais même pas s'il est possible d'avoir... Je suis pas sûr que ce soit possible d'avoir moins de dégâts que ça. Il n'y a pas de damage down dans les items, donc... Ça, c'est pas mal. En plus, ils avancent à côté de la zone où je peux les toucher, donc... Oh, du creep. Toi, mon gars. Ah là là. Il faudrait absolument une salle de machine de donation pour pouvoir réactiver War of Babylon. Putain, en plus il est sans 2 par 2.
Yay! On va voir si on peut trouver un Tinted Rock. Oh, pas cette salle. Cette salle avec ses dégâts, ça va être long. Voilà. On met le micro en place. Parfait, ça a juste été... Ça a juste pris 6000 ans. On n'a pas de clé. Voilà, toujours pas de clé. C'est gentil d'écouter le jeu. Donc ça veut quoi? On va être efficace. C'est pas très efficace. Toujours pas de clé. Ça c'est pas mal. Parce qu'en théorie, si je le prends pas... Yay. Alors déjà je tiens à souligner Hematemasis qui ne me donne qu'un cœur. Voilà, comme quoi le jeu vraiment il fait la technique dite du gros doigt dans ta face. Ok, merci. On va aller au bout. Ou pas. Je pensais qu'il y aurait directement le boss, mais... Donc le jeu m'a fait la technique dite du gros doigt dans ta face avec Hematemasis qui donne qu'un seul cœur. Hematemasis, pardon. Mais ça peut être intéressant parce que, bah du coup, War of Babylon, actif. Faut juste faire très gaffe à pas le péter. Ou Champion's Belt, ou Blancard. Là c'est des dégâts. Et on est à 100% de deal. Donc on va pas tuer le monsieur avec une bombe. Donc je peux plus entrer dans l'item room pour l'instant. Boss rush étant un des objectifs, je sais pas si je retournerai en cas de possibilité à l'item room. Ah, y a un caillou là. Yen ne l'avait pas vu. Olé. Ok, donc oui, je vais retourner à l'item room. Parce qu'un bon item vaut mieux que deux, tu l'auras. Puis elle est pas très loin, faut juste faire des détours. Yeah! Cette clé n'aurait pas dû être gâchée de cette façon. C'est un scandale. Pognon. Oui, l'argent ne sert pas tant que ça dans ce jeu, mais... On est où là? Caves One. Non, mais regardez-moi la taille des étages qu'on se frappe. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir un truc qui fait des étages super plus longs pour rien quoi. Ok, pas se prendre deux coups. Au passage, on a probablement grillé nos chances de deal. Parce qu'avec seulement deux conteneurs et pas de cœur gris derrière, ça veut dire que si on en prend un, il y a de fortes chances qu'on meure. C'était un peu confus, mais c'était pas grave. Ah, merci. Et... Bon bah de toute façon... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, 12 minutes 39. Oh, quasiment 13 minutes. Pour finir Caves One, pour Boss Rush, c'est pas bon. Mais que pour ça. C'est pas bon que pour ça. Et Hush. Et ma capacité de concentration. Oh, et puis ma santé mentale aussi. Yeah, mais ça va de pair. Tac, 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 tac. Ok, c'était totalement... Oh, ça a un peu piqué sur le bord de la chaussure. Ok, alors là on fait quand même 7, c'est pas énorme, mais ça devrait suffire à... Oh, que des salles à la con. C'est-à-dire ça devrait nous suffire à avancer proprement, mais non, parce que... Si on tombe sur une salle comme ça... Et dans la boîte mystère, nous avons Glowing Hourglass. Qui se trouve être une bonne idée... Mais je suis pas sûr. On va voir. Non. Là, j'ai gâché deux bombes. Pour rien.
Donc j'utilise le Glowing Hourglass et je n'ai pas gâché de bombe. Là c'est pareil, avant d'entrer dans la Curse Room. Aïe. Non, c'est ça. Sérieux, mais meurs toi. Mais oh, c'est pas chic. Non, la Curse Room on la fera après. Ok. Ouais, damage up, ça fait plaisir. Bon, et la Curse Room on la fait maintenant. Donc l'idée c'est qu'on entre dedans. Et si c'est pas intéressant... Et comment ça pourrait pas être intéressant? C'est un coffre de pierre et deux coffres rouges. Avec... Alors vous voyez typiquement ce genre de choses. Hop! Hop, plus mal. Et surtout on n'a pas Bob's Brain. Trop dangereux dans ce truc. Je pense que le boss est en bas, très honnêtement, mais... Ouais. Non mais sérieusement... Enfin, faut savoir, t'as peur ou t'as pas peur, hein. Choisis. Dire après moi je change pas, c'est toujours ma tête. Alors, si t'as peur, t'as peur, si t'as pas peur, pas peur. Olé. Cette salle, ce serait un bon candidat pour le vol. Je joue un peu n'importe comment, je me rends compte que je vise pas vraiment. Pourtant, j'ai des larmes qui devraient me le permettre. Bizarre. On va essayer de se reconcentrer un peu. Voilà. Et qu'est-ce qui nous reste? Les kikinous. Et un truc invisible en bas. Ça a fait mal là, hein. Tough Space. Yay. Et le boss. Ça veut au moins dire qu'on est dans la bonne direction. Ça veut aussi dire qu'il faudra qu'on fasse au moins 4 minutes pour les deux prochains étages si on veut choper Boss Rush. Quand je dis moins de 4 minutes, je suis gentil parce que là on n'est pas encore sorti. Allez, un item. Pas de deal with the devil. Pas grave. Non, c'est nul. Voilà, je vais m'en servir comme ça du sablier bleu brillant. Toi mon gars, t'es mort. Hop, pourquoi pas. On va tester ça. C'était pas utile. Moi bon, j'ai perdu un demi-cœur quand même, mais il faut savoir faire des sacrifices. Au bon moment, bon merci. Allez. Vite. Vite. Et... Ouais, ça va être très compliqué pour Boss Rush. Très très compliqué. Ça, putain. Bon, on va arrêter là. Non, parce que je le sens pas aujourd'hui. Là. C'est pas le truc. On verra plus tard ce que ça peut donner. Allez, à plus.